L'interview du jour, on parle moto, on parle endurance, donc avec notre invité Damien Saulnier. Bonsoir Damien. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Le team manager du Yoshimura Cert Motul. Damien, félicitations. Merci. Félicitations parce que vous venez de remporter votre 20e bol d'or, une victoire qui vous a permis également de remporter le titre de champion du monde en endurance. Vous avez d'ailleurs ramené sur ce plateau les très lourds trophées, hein. Il faut le dire, il faut le souligner. Les deux trophées, celui-là, c'est le trophée donc de champion du monde, celui-ci, c'est le trophée du bol d'or. Et puis la bouteille là où vous avez célébré sur le podium, c'est la véritable et authentique bouteille. Hein. Ah, c'est celle du podium qu'on a consommée avec modération. Bien Elle sûr. Est grosse, mais on était plusieurs dessus. J'imagine, heureusement. Et donc la bouteille de ce titre de champion du monde d'endurance, donc EWC. Bravo. Beaucoup d'émotions, j'imagine aussi, Damien. Ouais, complètement. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices pour toute l'équipe, pour tout le monde, que ce soit les pilotes, que ce soit l'équipe technique, que ce soit les gens qui nous accompagnent, les bénévoles, les prestataires et tout. On y passe beaucoup de temps pour arriver à ce niveau. On en parlait tout à l'heure avec Nordine et je lui disais, quelle que soit la discipline, quand on arrive à un certain niveau, dans tous les cas, on y passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc moi, je suis un grand coup de chapeau à toute l'équipe et je suis, comme je l'ai dit à différentes reprises, je suis vraiment fier de cette belle équipe qu'on a remontée suite à la prise de retraite de Dominique. Et là, ils ont tous fourni un travail exemplaire, quel que soit le domaine. Voilà les images de ce sacre au bol d'or. Un 20e bol d'or, deux consécutifs, un troisième, et vous gardez définitivement ce joli trophée. Hein. D'ailleurs, ça c'est pour la petite anecdote. 2 ans d'ailleurs que ce titre mondial vous échappait, ça doit faire du bien de retrouver le sacre mondial. Je dirais qu'on s'habitue quand on gagne, forcément. On avait gagné 2020-2021, 2022 la Honda gagne, 2023 la Yamaha et 2024 c'est nous. Le trophée revient à la maison. J'avais laissé de la place sur une armoire en partant il y a une semaine en me disant je laisse un trou pour le mettre, on verra bien si on le ramène. Et ben, j'ai bien fait parce que du coup, la première chose que j'ai fait en déchargeant, c'est de mettre le trophée à sa place. J'avais bien prévu une place et j'ai bien fait. Et celui-là, vous le gardez, il n'y a pas besoin de le remporter 2 ou 3 fois consécutivement. Non, ça c'est valable pour le trophée du Mans et le trophée du bol d'or. 19e titre mondial, l'écurie la plus titrée hein, lors des championnats du monde. Vous êtes le Real Madrid de l'endurance en moto? Je ne sais pas, 18e titre. 18e. 18e, ouais, 18e pour le CERT. La 20e victoire au Bol d'Or, au Bol d'Or, Castellet, Magny-Cours compris. Et puis un 21e titre pour la marque Suzuki. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le CERT qui a gagné des titres mondiaux. Mais c'est au moins le 18e titre pour l'équipe. Et c'est une belle performance pour nous. Je pense qu'on peut être tous fiers de cette aventure. Et puis, comme je dis souvent, mais c'est aussi le fait et le plaisir qu'un certain nombre de personnes nous accompagnent dans ce projet, qui croient en cette aventure. Et on voit que l'équipe s'est reconstruite. Et je suis fan de cette équipe parce qu'on a vraiment créé des liens forts, que ce soit forcément avec les personnes en France, mais aussi avec nos amis japonais, où là je recevais des messages du Japon, de l'usine et également de Fuji Yoshimura, l'ancien président, parce que maintenant le nouveau président c'est Yohei Kato qui travaille avec nous en étroite collaboration, et recevoir des messages, des mails de ces gens-là, ça a une certaine saveur. Vous avez repris hein, les rênes de l'écurie il y a 5 ans, lorsque Dominique Mélian vous a confié les clés du camion ou de la moto. Et depuis, eh bien, c'est 4 victoires sur le Bol d'Or, 3 victoires sur les 24 heures moto au Mans, donc 3 titres mondiaux. Pas mal d'émotions, pas mal de fierté aussi, j'imagine, quand vous regardez ce que vous avez accompli depuis le départ de Dominique Mélian. Ouais, complètement. On a repris, quand je dis on, c'est avec Jean-François Simon, qui était un ancien bénévole du CERT, un partenaire du Junior Team Suzuki. Et quand Dominique m'a proposé au derrière d'un box un jour de reprendre la suite, je me suis dit waouh, c'est un peu tôt, on verra bien. Et puis quand on s'est retrouvé effectivement à avoir l'opportunité, comme j'ai dit à Jean-François, on fait quoi? Il m'a dit si t'es chaud on reprend, et je lui ai dit oui mais si t'es là. Donc du coup on l'a fait tous les deux, et effectivement on s'est vraiment liés d'amitié avec ce projet, et c'est des liens forts parce qu'on partage les mêmes émotions à l'arrivée, sur le moment, sur le bol, sur le titre, et on continue de faire avancer le navire ensemble, et ça c'est vraiment chouette. Et puis après il y a Claude Michi qui nous a rejoint quand on a voulu
mettre les deux structures, Junior Team Suzuki et CERT, dans le même bâtiment. Donc là, c'est l'association de trois personnes où bah, il y a une cohésion qui est vraiment forte entre nous trois. Que vous étiez le Real Madrid de l'endurance en moto avec tous les titres, puisque vous êtes l'écurie la plus titrée donc, dans ce championnat du monde. Puis on va également féliciter vos Mbappé de l'endurance, vos pilotes, Greg Black, Étienne Masson, Dan Lindfoot, qui ont réalisé une saison exceptionnelle. Ah, formidable saison. Alors il y a eu des hauts et des bas. Le Mans, on avait l'équipe au complet. Spa, on avait l'équipe au complet. Suzuka, Greg est tombé aux essais près Suzuka et s'est cassé le poignet. Donc il a fallu recruter un pilote. Alex Rins, qui est pilote espagnol très proche d'Albert Arenas, nous a confié comme quoi ben, j'ai peut-être quelqu'un qui vous irait. Et effectivement, Albert, qui est un mec mais vraiment exemplaire, moi je suis fan du pilote parce que le pilote, le personnage, on a trouvé quelqu'un de très humain, rapide, efficace, solide sur la moto. Il a rempli toutes les bonnes fonctions pour les 8 heures de Suzuka pour remplacer Greg. Et du coup, après, on a retrouvé notre équipage, Étienne, Greg, Dan et Kokoro comme pilote remplaçant pour le Bol d'Or. Et comme on me pose la question souvent, mais l'équipage l'année prochaine, vous faites quoi? Et ben, je dis très simplement, ce serait dommage de se séparer d'un des pilotes. Ils s'entraînent bien ensemble, il y a une belle cohésion de groupe, ils ont la même analyse sur la moto, ils sont sympas, robustes, rapides. Et se séparer d'un pilote, il irait nous ennuyer sur une moto sur une concurrente moto. Et il faudrait retrouver l'équivalent. Je pense que là, on a un quatuor qui nous correspond humainement et puis aussi sur la moto, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il vous reste à gagner maintenant? Bah, continuer comme on dirait d'empiler les mêmes courses. Non, je dirais Le Mans, le Bol, ça c'est fait et j'espérais qu'on continuera. Maintenant, l'épreuve, je sais, petit Polo, Jean-Paul Voisin, un ancien du CERT, me dit Suzuka, c'est pas mal non plus. Donc j'irai à voir pour la suite si Suzuka c'est jouable. J'ai un petit clin d'œil pour l'équipe Yoshimura cette année, plus particulièrement parce qu'on fait 3 à Suzuka, on ramène le titre, on gagne le Mans, le Bol pour les 70 ans de la marque Yoshimura. Et je trouve que c'est un chouette clin d'œil pour Pop Yoshimura qui avait monté cette belle entreprise, cette belle marque il y a 70 ans. Et c'était un joli clin d'œil à l'arrivée des 8 heures de Suzuka en montant sur le podium. Il y avait beaucoup d'émotions pour la famille Yoshimura qui est encore présente. Avez-vous vu la présentation de la nouvelle moto de votre adversaire d'ailleurs, Yamaha, avec comme principale nouveauté l'ajout de petites ailes aérodynamiques, je ne sais pas si vous avez vu ça, inspiré de la moto GP. Voilà, ça se dévoile déjà, les motos de vos adversaires. Est-ce que vous regardez ça attentivement? Est-ce que vous préparez aussi votre moto pour 2025? Alors, je dirais oui, mais alors là, vous avez de l'avance sur moi parce que je sais qu'il y a un nouveau projet, mais je ne l'ai pas vu. Donc, merci pour l'info. Je vais m'empresser de rentrer et d'aller surveiller ça. Nous, la moto, l'année prochaine, elle n'évoluera pas. Ce sera la même moto, le même modèle. Je sais que Yoshimura va forcément travailler dur cet hiver pour qu'elle soit encore plus performante, fiable elle l'est, mais encore plus performante. Mais en tout cas, on aura le même modèle. On est surtout en attente d'un futur modèle pour les deux années qui vont arriver. La saison du Junior Team? Eh bien, une belle saison. Les gars ont fait un superman. Il aurait pu y avoir un très beau Spa et il y a une casse moteur qui arrive, j'irai jamais. Et puis un Bol qui était plutôt bien. Deux pilotes ont très bien roulé, deux qui étaient un petit peu en retrait, qui ont eu du mal à se mettre dans le rythme. Et ça fait une 7e place dans la catégorie, ce qui est très correct, parce qu'il ne faut pas oublier que non plus on a des élèves mécanos qui sont sortants de BTS, un an passé ensemble. Le but c'est de les préparer au métier de la course moto, mais ils l'ont fait merveilleusement bien. Et je dirais que le petit clin d'œil que je leur lancerai, c'est que ça reste une très très bonne année pour eux. Moi j'ai vécu vraiment une année exceptionnelle avec eux, avec une super ambiance tout au long de l'année. Et à savoir que la saison n'est pas terminée parce qu'on part mercredi au Castellet, on redescend au Castellet pour la finale du championnat de France Superbike et on va défendre une place de vice-champion de France avec Kylian Haïby. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de la nouvelle catégorie pour 2025 dans ce championnat du monde, catégorie qu'on dit plus accessible? Ben c'est exactement ce que j'allais dire, c'est une catégorie qui va devenir accessible. Savoir que la catégorie EWC, c'est comme un peu les hypercars en voiture, ça commence à être des catégories qui sont assez onéreuses. La catégorie stock, c'est comme les GT, c'est quand même compliqué d'accéder aux avant-postes en catégorie super stock parce que les teams se sont professionnalisés, parce que les motos sont de plus en plus performantes, on met de la pièce de plus en plus coûteuse dessus parce qu'on veut gratter des places dans le championnat, dans les courses, etc. Ouais, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, d'ouvrir une catégorie qui va être très proche de la super stock, donc très proche de la catégorie du junior, qui va être accessible. Et moi, je pense qu'on va solliciter des concessionnaires qui sont fans de course, fans de moto, des associations qui ont envie de participer pour certains aux 24 heures moto,
pour d'autres au Bol d'Or, peut-être des équipages belges iront à Spa, et je pense qu'on va retrouver la quinzaine de motos qui nous manquent, mais par justement par des motos qui sont beaucoup plus accessibles et qui seront beaucoup moins onéreuses à préparer, parce que quand on a travaillé, moi j'avais eu quelques demandes et en savoir si j'avais des conseils à donner pour cette catégorie, je pense qu'il faut repartir sur des bases qu'on connaît. Châssis, garder l'électronique d'origine de la moto, suspension libre, échappement libre, mais de rester sur une moto très basique qui soit peu onéreuse à monter. Merci beaucoup, Damien Saulnier. Je rappelle que vous êtes le team manager du Yoshimura Cert Motul, vainqueur du Bol d'Or, donc vainqueur du championnat du monde. Bravo à vous, bravo à cette belle écurie sartoise, donc, et ramenez-nous le titre l'année prochaine aussi en 2025. Je tiens parole. Merci beaucoup, Damien. Tout de suite, on continue de parler de sport mécanique avec les 24 heures camion qui ont lieu ce week-end sur le circuit Bugatti. À tout de suite. We'll be right back.